Allez, c'est parti. J'ai lancé le prologue de Fallout 3. Et avec les explications et les conseils pour ceux qui devraient découvrir le jeu, même si le jeu est sorti il y a près d'une bonne dizaine d'années. Et je laisserai les cinématiques. Set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire. And that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe I don't want to set the world ont découvert le pouvoir de tuer avec de simples cailloux. Le sang a été versé au nom de tel ou tel dieu, au nom de la justice, ou même simplement de la folie meurtrière. En 2077, après un millénaire de conflits armés, la nature destructrice de l'homme atteignit son paroxysme. Le monde fut plongé dans un abîme d'explosions nucléaires et de radiation. Mais ce ne fut pas comme certains avaient annoncé la fin du monde. L'Apocalypse servit en fait de prologue à un autre chapitre sanglant de l'histoire de l'humanité. L'homme était parvenu à tout détruire. Mais la guerre ne meurt jamais. Au début, des milliers de personnes survécurent à l'hécatombe, en se réfugiant dans d'énormes abris souterrains. Les survivants ne remontèrent à la surface que pour trouver des terres désolées. Tous, sauf ceux de l'abri 101. Car le jour maudit où le feu tomba en trombe du ciel, la gigantesque porte d'acier de l'abri 101 se referma pour ne plus jamais s'ouvrir. Ceux qui y sont nés y mourront. Car personne n'entre ni ne sort de l'abri 101. Voyons.
Es-tu un garçon ou une fille ? Je suis un garçon, un mec, un vrai. C'est un garçon ? Un garçon ! On a un garçon, Catherine ! Un magnifique petit garçon en pleine santé. Oh ! Oh, James ! On a réussi. Un fils. Un beau petit garçon. Tu as un brillant avenir devant toi, mon fils. J'en suis sûr. Regarde-toi. Regarde-toi. Salut. Je suis ton papa, petit gars. Papa. Il va te falloir un nom, pas vrai ? Ta mère et moi en avons parlé. Qu'est-ce que tu dis de... Alors, le nom. C'est un joli nom, tu ne trouves pas ? Il te va très bien. On dirait que la projection génétique est terminée. Voyons à quoi tu ressembleras quand tu seras adulte. Ça s'en va, hispanique, français, blanc, asiatique. Pas très chaud. Tu passes partout. Alors, ça c'est bon. Ici, deux cheveux comme ça. Tu ressembleras beaucoup à ton père. Tu vois ça, Catherine ? Oh ! Oh ! Très costaud ! L'univers est grand, mon fils. Rempli de toutes sortes de gens. Et toi ? Quel genre de personne seras-tu ? James ! Catherine ? James ! Catherine ! Elle a fait un arrêt cardiaque. Commencez les compressions ! Sortez le pédale ! Vite, vite ! 1 000, 2 000. Allez! Accroche-toi, Catherine. Un mot. D'accord. Toi et moi. On veut un médecin pas allemand. Si vous ne répondez pas à mes attentes, il y aura des surprises. Adieu, c'est son chien là. Un avenir sur le monde est jouet. Et on sera comme chez nous. Chez nous. Viens voir ici, petit gars. Allez, viens voir papa. C'est parti. Bon sang. Un an seulement et tu marches déjà super bien. Ta maman aurait été tellement fière. Écoute, je sais bien que tu n'aimes pas quand papa s'en va. Mais il faut que tu apprennes à te débrouiller une minute. Reste ici pendant que papa file à son bureau. Ça va aller, petit. Je vais revenir très vite. Alors, bon. Le gameplay capturé sur Xbox 360 dans une version... dans la version rétro-compatible, optimisée Xbox One X à partir d'une Xbox Series S. Voilà, voilà pour planter le décor de l'aspect technologique. Donc là, comme on a un an, on est dans l'abri 101. Il va falloir ouvrir le portail et lire le lettre spéciale, c'est mettre les capacités. Donc on a la force, on a la perception, la force influe sur les capacités de, pour pouvoir porter et pour pouvoir mettre des attaques de corps à corps. La perception c'est de pouvoir détecter les ennemis, entendre, regarder, repérer les ennemis. L'endurance c'est les points de vie surtout. Le charisme important, ça influe sur les discours, sur la capacité à convaincre les autres personnages de quête. L'intelligence,
La capacité était peut-être la plus importante, parce que l'intelligence, plus tu as été élevé, plus la montée de points de compétence par niveau est élevée. Une compétence essentielle parce qu'elle influe sur toutes les autres. Plus elle est forte, plus vous pouvez monter les compétences rapidement. L'agilité, ça permet de d'être bien discret et de résister facilement le crochetage. La chance, comme un jeu de rôle, c'est tout l'aspect aléatoire du jeu, de l'aspect RPG du jeu. L'intelligence à 7, la chance à 6. Ah, c'était encore 2 à augmenter. Je dirais. L'endurance et le charisme. Un passage de la Bible. Mais c'est qu'on aime explorer, dis-moi. Ça m'apprendra à essayer de t'enfermer. Viens un peu ici. Je veux te montrer quelque chose. Tu vois ça? C'était le passage préféré de ta mère. Ça vient de la Bible. Apocalypse 21:6. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À qui a soif, je donnerai, moi, de la source de l'eau de la vie gratuitement. Elle a toujours adoré ça. D'accord, allez. Allons voir si ta copine Amata a envie de jouer. Donc là, on va être transporté plusieurs années plus tard. Ne soyez pas stupide. On expérimente pour se préparer. Se préparer à la chose. Stanley, tu as allumé trop vite. C'est mauvais pour ses yeux. Bon anniversaire, fiston. N'arrive pas à croire que tu as déjà 10 ans. Je suis tellement fier de toi. Si c'est... Félicitations, jeune homme. Je n'ai pas besoin de te dire à quel point cette journée est spéciale, pas vrai? Ici, Brisson 1, quand on atteint 10 ans, on est prêt à assumer ses premières responsabilités officielles. Alors voilà, en tant que superviseur, je te remets ton Pip-Boy 3000 personnel. Habitue-toi à lui. Tu recevras ta première affectation de travail demain. Profite de ta fête. On a 10 ans qu'une fois, alors amuse-toi. Hé, hey, t'as eu un Pip-Boy? Bon anniversaire! Alors, c'est une surprise, hein? Ton père craignait que tu doutes de quelque chose. Je lui ai dit de pas s'en faire. C'est facile à tromper. Ah, c'est rien. Hé hey. Ah, je l'ai trouvé dans une... Eh bien... Pas bien avoir 10 ans. Tout se passe bien? Ouais, que ma part, c'est une... C'est un livre de compétences. Allez. Là, hop, un plus. Anniversaire. J'espère que tu apprécies tout ce qu'a fait. Ne compte pas trop sur mon amitié, jeune homme. Je reste le superviseur et je m'occupe toujours de cet abri et de tous ses occupants. C'est surtout une belle rafle. Attention! Alors, ta fête... Oh, mais je... Tu es un jeune. Tiens, une viennoiserie que j'ai fait... Monde, c'est l'heure de couper le gâteau. Couper le gâteau, allez. Allez, une fête. À vous, c'est le robot. T'as vu ce que t'as fait du gâteau? Oh non! Permettez-moi de vous souhaiter un bon anniversaire. Qu'est-ce que tu dis, ce Pip-Boy? Il te va bien et tout? Bien sûr que oui, comme tous les autres. On n'en fabrique plus aujourd'hui, pas vrai?
Celui-là, je l'avais mis de côté pour toi. La série A est un peu plus lourde que certains modèles plus poussés, mais je parie qu'il marcherait encore si une bombe explosait à côté. Mais je me perds en détails. Tiens. Papa, je t'avais dit de faire ça. Encore plus simple. Je sais que tu plaisantais, mais je sais pas si tout le monde a compris. Comment ça va, fiston? Non. J'ai faim et cet idiot de robot a cassé le gâteau. Fuis-moi la vie. Madame. Bon, tu vas me donner cette viennoiserie ou tu vas pas à la place. Bon, ça, c'est si vous voulez faire le méchant. Ah ouais? Les gens adorent mes petits discours. Bouge pas, toi! Batch, c'est bientôt fini, les bêtises. Laisse-le tranquille. Salut, les laines de chiottes. Tu m'as vraiment arrêté de m'avoir gonflé, microbe. Merci de m'avoir invité. Je sais que Butch est mon... En tout cas... Merci d'être venu, Sam. Je savais que vous étiez occupé avec le purificateur d'eau. Tout va bien, j'espère. Si tu nous présentais... Ah, bien sûr, je vais s'inquiéter. Andy et moi, on s'en est occupé la nuit dernière. Tout est comme neuf. Je ne m'inquiétais pas. C'est quoi son problème à Butch? Ah, c'est vraiment un trou duc. Ah bah, quoi qu'il fasse. Tout se passe bien? Eh, c'était Jonas à l'interphone. Lui et moi, on t'a préparé. Jonas t'attend en bas. Juste pour vous, maître. Comment trouvez-vous la vallée, Wally? T'as toujours de bonnes idées participer à la décoration, vous savez? Ouais, j'en ai un. Les makers. Vraiment, super cool. C'est magnifique. Eh, Wally. Bon anniversaire, très... En effet. Eh bien. Et maintenant, regarde-toi. 10 ans. Et pour cette... Bien sûr. C'est-il ça de la bombe, toi ou moi? Pas question. Alors, comment est-ce qu'on... Un poème? Brave notre gang, faut vraiment que ça tue. Merci d'être venu, madame. J'espère que vous passez... Qui voudrait passer sa vie à se faire... Oh mon dieu, je n'en ai plus ça pour rien, mon ami. C'est le truc. On va trouver Jonas au sous-sol. Qu'est-ce que tu fais ici, jeune homme? Je croyais que les enfants n'avaient pas le droit de venir au niveau du réacteur. Ça c'est vrai, un Pip-Boy et tout, regardez-moi ça. Si tu peux encore attendre une minute, je crois que ton... On y va pour la surprise? Le superviseur t'a donné ton Pip-Boy, et tu as l'âge de faire quelques travaux. Alors tu dois aussi avoir ta propre arme à air comprimé. Elle est un peu vieille. Jonas a trouvé en bas. Tu sais à quel point il dit... Alors... On ne peut pas. Sinon le superviseur va venir tambouriner à notre porte. Mais Jonas et moi avons trouvé un... Beau travail. Ça fait un rat de cafard de moins. Prenons une photo ensemble, pour garder en souvenir. Hé, hey, Jonas, prends une photo de moi avec notre trace du tir. Cheese.
Dites-moi, vous êtes vraiment belle. 21, 6. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Pour autant que je puisse le dire, tu es un garçon de 16 ans en pleine santé. Alors oui, tu dois aller en classe et passer le GOAT. Allez, en route. Tu as un GOAT. L'examen généralisé d'aptitude professionnelle, ou GOAT. Tous les gens de l'abri, ça permet de définir le poste que tu auras dans l'abri 101. Tu sais ce que... Tout le monde passe l'examen. N'est pas comme ça que ça marche. Et ça ne servira à rien de poser des questions comme ça. Surtout près du superviseur. Je vais te dire une chose. C'est important, alors écoute bien. Cet endroit, cet abri, ce n'est pas l'idéal, je sais. Mais c'est chez toi. Tu es en sûreté ici. Parce que ce qu'il y a en haut, c'est ce que dit le superviseur. Il ne laissera entrer personne d'autre. Tu es ici. Ta mère était... Elle était belle, mais bien plus que tu n'as pu le voir. Ces vieilles photos sont loin de pouvoir tout montrer. Et elle était passionnée. Elle n'a jamais autant rayonné de bonheur que lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte. Et voilà. La dernière chose. Fais attention, mon garçon. Ah. À prendre la première épopée Valtech, à savoir celle de médecine qui a augmenté là la compétence médecine de 10 points. Et voilà. Bonjour. Hé, mec, ça fait un moment que t'as pas fait un saut ici. Je m'inquiète un peu. C'est le grand jour du gosse, pareil. J'espère que je vais se revoir bientôt. Cassez-vous, votre serpent des tunnels. Je peux toujours faire un vrai serpent de tunnel, Amata. Bon sang, Butch, pourquoi tu peux pas me laisser tranquille? C'est ce qu'il va faire, Amat. Les serpents des tunnels à sucre! On n'a rien trouvé. Butch dit que cette salope bave sur les serpents des tunnels à son père. C'est pas acceptable. Parce qu'on est les serpents des tunnels, et qu'on assure! C'est nous! Personne en... C'est pas tes... Parce que c'est mon... Ah. Allez, bave... Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te regarde pas. Comme si... Et t'es qui? Con... Tu me fais marre? Allez, serpent! Attention! Butch, arrête! Ah, non, ouais! Frappe-le encore! On arrête ça! Allez! Allez, donne le bâton, allez! Frappe-le encore! Allez, si vous chopez-le, les mecs! Pas beaucoup. Notre chauffage défaut. Oh, t'as pas eu une nouvelle pièce la semaine dernière? Ouais. On arrête ça! Qui est si vieux. Pour rentrer avec les jolis soucis avec l'image. Non! Allez! Tu vas peut-être retenir la leçon cette fois! Ah ouais! Pablo! Merci encore! Si on avait la cafétéria. Ah! Ça ira comme ça! Bonne chance! Comme nous encore! Ah! Comme nous encore! Allez! Allez, les serpents! D'accord, d'accord. T'as gagné. On va aller... Tu vaux. Comme tu veux, Butch. C'est toi. Merci de m'avoir débarrassé. Je sais... Chef, serpent des tunnels. D'accord, allons-y. Je vais prendre ton coup, c'est simple. On va boire de l'eau pour ramener ta pointe sur la ligne. Ah, enfin. Alors, on commence... J'en suis certain. On commencera. Ne faisons pas attendre le superviseur. Eh bien, maintenant que tout le monde a trouvé le chemin de la classe, on va pouvoir commencer. On ne parle pas et on n'essaie pas de copier. Oui, c'est à vous que je parle, monsieur Deloria. Bien sûr, monsieur Broch. Si personne d'autre n'a de commentaire instructif à faire, commençons. Question 1. Vous voyez approcher un scientifique qui hurle « Je vais coller mon harmoniseur quantique dans ta chambre de résonance photonique. » Quelle est votre réaction?
Question 2. Alors que vous travaillez en tant qu'interne à la clinique, un patient présentant une infection bizarre au pied franchit la porte. L'infection se propage à un rythme alarmant, mais le médecin en titre n'est pas là. Que faites-vous ? Question 3. Vous découvrez un jeune garçon perdu dans les niveaux inférieurs de l'abri. Il a faim, il est effrayé, mais il semble aussi être en possession d'objets volés. Que faites-vous ? Question 4. Félicitations. Vous faites partie d'une des équipes de baseball de l'abri 101. Quel poste préférez-vous ? Question 5. Votre grand-mère vous invite à boire le thé. À votre surprise, elle vous tend un pistolet et vous demande d'abattre un résident de l'abri. Qu'est-ce que vous faites ? Ça, c'est la réponse de la moutasse. Question 6. Prends-toi le thé dans la gueule. Le vieux monsieur Abernathy s'est de nouveau enfermé dans ses quartiers et vous avez reçu l'ordre de le faire sortir. Comment allez-vous faire ? Question 7. Oh non, vous avez subi une exposition aux radiations et une main mutante vous a poussé sur le ventre. Quel est le meilleur traitement ? Question 8. Un autre résident de l'abri 101 possède un exemplaire du numéro 1 de la BD Grognac le Barbare. Vous le voulez. Quel est le meilleur moyen de l'obtenir ? Allez, en mode commerçant, allez, hop. Question 9. Vous décidez de faire une petite farce à votre père. Vous entrez dans sa salle de bain personnelle, pendant que personne ne regarde, et... Question 10. Qui est, sans l'ombre d'un doute, la personne la plus importante de l'abri 101 ? Celle qui nous protège des rigueurs des terres désolées, atomisées, et à laquelle nous devons tout, y compris la vie ? C'est vrai qu'il y a... Le choix est crucial. Le superviseur, ou le superviseur, ou le superviseur, ou le superviseur. Nous sommes nés dans l'abri, nous mourons dans l'abri. Vive le superviseur. On pose les crayons, c'est fini. Le célèbre GOAT. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont réussi. Pour les autres, il y a toujours des places à l'entretien. N'oubliez pas de déposer votre copie avant de partir. Mieux vaut pour vous ne pas savoir ce qui arrive aux gens qui échouent au GOAT. Je vous laisse le reste de la journée. Faites la fête ou priez selon la situation. Allez, on va pas coucher là, c'est bon. Ça fait plaisir de vous voir. Full camp. Il est écrit ici que ta destinée est celle de spécialiste de la gestion des déchets. Spécialiste ? Pas simple. Écoute, de toi à moi, si les résultats... On peut modifier les résultats. Arme lourde, on peut médecine, non. Important au début parce que comme on va arriver à Mégatonne, il y a des compétences qui sont vraiment importantes. Alors, Exposice important pour s'occuper de la bombe de Mégatonne. Préparation, c'est important pour le système d'eau. Et discours, c'est important pour en général. Allez, va. Salut. Avec le travail, tout est possible. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Des gosses, sans la moindre discipline. Comme ça. Il faut... Allez, on se réveille. Il faut que tu apprennes. Je ne serai pas toujours là pour te tenir la main. Allez, il faut que tu te réveilles.
Il faut que tu partes d'ici. Ton père est parti et les hommes de mon père te recherchent. Il a quitté l'abri. Je sais pas comment, mais il est parti. Et mon père, il a pété un câble. C'est Jonas. Ils l'ont tué. Les hommes de mon père. Ils l'ont attrapé. Ouais, une chance que je sois arrivée avant eux. Mais on peut pas rester à discuter. Il faut que tu sortes d'ici. C'est plus le cas, apparemment. Mais tu veux dire que tu savais pas que ton père allait... Oh, mais c'est sans importance. Écoute, un tunnel secret relie le bureau de mon père à la sortie. Tu vas devoir pirater l'ordinateur de son bureau pour l'ouvrir. Utilise ça pour entrer dans son bureau. C'est comme ça que... C'est pas de la chose, d'accord. Mon père est pas idiot. Il a scellé la porte de sortie pour empêcher quiconque de s'enfuir. Le tunnel est la seule voie... Oh, encore une chose. J'ai volé... D'accord. Bon, il est temps de se barrer de la rue 101. Je trouverai la porte de la rue si tu veux. L'arme est recomprimée, et bien sûr... Pack. Je peux pas retourner là-dedans. La maman de Butch. Allez. Stay. Utilisez la discrétion, je fous totalement de la discrétion. Partie 9 ici. Par là. Allez. Ici, le superviseur. Tous les résidents de l'abri 101 ont l'ordre de demeurer dans leur quartier. L'infestation de la est sous contrôle. Ne fuyez pas le personnel de sécurité de l'abri. Ouais, elle est morte. Tout résident découvert hors de ses quartiers sera puni. Ce sera tout. Faut pas utiliser un raccourci, c'est là où il y avait la fête d'anniversaire. C'est un peu ravagé maintenant. Porte scellée. Tu as de la chance. Je sais pas ce que tu... Tu penses que je le sais pas? Pourquoi crois-tu que je te laisse partir? J'imagine... Bon sens. Fais attention. Heureusement qu'il a pu accueillir les cafards.
Là, on peut dire l'ordinateur du père, mais non, on peut... Ok. Là, on peut aussi récupérer la coupe médecine ici, si on n'a si pas récupéré de bouche. Bouge pas. Ton stabilisateur gauche est à l'arrivée. Non, je crains que vous n'ayez manqué le peu. Il est monté prendre l'air. Il ne devrait pas tarder à revenir, j'imagine. Si tu continues à bouger comme ça, je vais te fendre l'enveloppe. Ne reportez pas sur moi, votre... Comme le docteur, je laisserai personne nous arrêter. Tom, non! Attention! On peut les tuer ou... Cogner à Mata, imagine ce que je vais te faire. T'aurais pas dû essayer de filer. J'espère que tu es venu te rendre, jeune homme. Oh, c'est tout? Tu n'as pas besoin d'autre chose, c'est sûr? Tu n'obtiendras rien de moi. Ça va, le... Garde! Garde, t'as plus de garde, j'en suis fort. Jonas.
un peu trop pour essayer de projeter, juste de prendre la paix dans sa tête. Merci. Je t'ai dit que mon... tu ferais mieux, Phil. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. On va se barrer. Voilà. Voici le bureau du superviseur. Appuie l'enquête sur la vue sexuelle que c'est tous les résidents pervers. C'est tentant, mais ma place est ici. L'abri a plus besoin de moi que toi. Je suis la seule à pouvoir respirer. Écoute, si tu retrouves ton... C'est assez dingue pour m'attaquer. Je ne sors pas. Je me fous de ce que peut dire le superviseur. Allez, je vais se barrer. Voilà. Tac, 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 tac. Terminé, quitter, ils sont là. Pour modifier spécialité, modifier. Faut tout modifier. On ne peut pas sauvegarder. Il faut sauvegarder un peu avant. Pour
font pour arriver au maximum du niveau du jeu. C'est rien ça. Compétence totalement inutile. Ça permet d'avoir l'XP du monde plus vite, mais. Bon, ça, les capacités qui augmentent les compétences, les augmenteuses, tu vois. De femme 10% de dégâts supplémentaires au niveau de la SFI. Voilà pour le prologue, on va arrêter là. Je ferai un autre chapitre sans dégâtonne. Yeah.